Vous êtes sur RTL. En Bretagne, Alexandre a un procès très symbolique pour le maire de Langouette. L'élu de la commune de d'Ille-et-Vilaine comparaît aujourd'hui devant le tribunal administratif de Rennes. Il avait pris en mai dernier un arrêté pour interdire l'usage des pesticides à proximité des zones résidentielles. Problème, c'est illégal, mais Daniel Cueff refuse de retirer son texte. C'est un arrêté instituant une distance d'éloignement des pesticides, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit d'épandre des pesticides de synthèse dans un rayon de 150 mètres autour des maisons. C'est un principe de précaution de base. Le maire, il est représentant de l'État dans sa commune. Si l'État est défaillant, c'est au maire de faire le nécessaire pour qu'au moins ses habitants ne soient pas empoisonnés. Madame la préfète décide de s'opposer à mon arrêté. Donc, si mon arrêté saute, elle autorise en définitive l'empoisonnement des habitants de ma commune. Ça sera une responsabilité majeure qu'elle aura à prendre. Et on va empêcher un maire aujourd'hui qui connaît bien le terrain, qui connaît la rose des vents, qui connaît les orientations des terrains, de prendre une simple mesure de protection des habitations et des habitants. Daniel Cueff, le maire de Langouette, avec Patrice Gabart pour RTL.